Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et nous entamons le dernier mois de l'année. Nous sommes lundi 4 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez passé un joli week-end. Eh bien oui, nous sommes au mois de décembre. Et j'affectionne particulièrement ce mois de décembre parce que voilà, j'aime l'atmosphère des fêtes de Noël, cette magie que ça dégage, l'amour que ça dégage, la bienveillance, le cocooning quand on est chez soi et qu'on a fait son sapin, et puis qu'on a l'odeur du pain, l'odeur du sapin. Si maintenant, on fait évidemment un sapin naturel. J'aime particulièrement, voilà, ce mois de décembre. J'espère que vous aimez aussi ce mois de décembre. Et puis, avant de commencer, n'est-ce pas, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien, pour cette semaine, ces deux circonstances, n'est-ce pas? J'ai pris l'oracle des archanges et on terminera avec mes messages, mes petits messages de prière, mes petites prières, pardon, pouf, 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 je bégaye, mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Aujourd'hui, j'ai pigé clairsensibilité, et c'est l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Alors, travaillez avec l'archange Raguel. Alors, tout comme un contrôleur aérien, eh bien, ce bel archange Raguel supervise les archanges et les anges, assurant ainsi l'harmonie, la coopération et l'ordre parmi eux. De la même manière, eh bien, il vous aidera, si vous lui en faites la demande, à démêler vos émotions en vous donnant les moyens de les identifier, de les comprendre et de les écouter. Message de ce bel archange Raguel, eh bien, veuillez respecter vos émotions. N'ayez pas peur des émotions fortes ou des sentiments intenses. Il vous dit qu'il peut vous aider à distinguer entre vos propres émotions et celles des autres. Il vous aidera aussi à vous libérer des énergies dont vous pourriez être absorbé. Il vous conduira aussi vers des gens, des situations et des endroits où l'énergie est claire et aimante. Vous savez, vos sensations émotionnelles et physiques répétitives, eh bien, vous apportent vraiment de précieuses informations. Alors, eh bien, veuillez les remarquer et surtout les écouter, parce qu'il s'agit de réponses à vos prières. Ce bel archange Raguel, eh bien, il vous dit, demandez-moi de vous aider à interpréter les messages que vous recevez et ces messages qui sont confus, afin que je puisse vous éclairer clairement quelles sont les étapes à franchir. Donc, il vous invite à demander à ce que vous lui demandiez
l'interprétation des messages pour que vous sachiez quelles sont les étapes à franchir. C'est à vous à demander son aide. Encore une fois, n'est-ce pas, les archanges et les anges, si vous ne les sollicitez pas, ils ne viendront pas à vous. Il faut vraiment leur demander. Parlez-leur et demandez. Ils ne demandent pas mieux. Ils demandent que ça, de vous aider. Mais il faut les solliciter et surtout les remercier. Ça, c'est important. Je termine avec les petites prières et pour aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé maladie. Mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Alors vous répétez 3 fois, « Je suis la lumière, je mérite la lumière. » « Je suis la lumière, je mérite la lumière. » « Je suis la lumière, je mérite la lumière. » Maintenant, petite question, que représente votre maladie au niveau émotionnel? Posez-vous cette question-là. Parce que, si vous ne le savez pas, votre santé physique dépend de votre santé mentale. Est-ce que vous avez vécu un choc juste avant de tomber malade, par exemple? Si vous êtes malade de façon chronique, eh bien, quels sont les bénéfices que vous en tirez auprès des autres? Est-ce que c'est un appel à l'aide pour que l'on vous accorde de l'attention? Ou est-ce que vous vivez dans les non-dits? Ou encore, est-ce que vous n'êtes pas à votre juste place? Est-ce que vous portez des secrets? Les vôtres ou ceux de votre famille? Toutes ces questions à vous poser aujourd'hui, vous aurez des réponses. Demandez à l'ange, à l'archange, pardon, Raguel, il vous aidera à avoir clair. Il vous mettra sur la voie. De très très beaux messages pour commencer ce mois de décembre avec les petites prières des anges et puis l'oracle des archanges. Ça me fait énormément plaisir de partager cette vidéo et toutes les vidéos qui vont suivre. Ça me fait beaucoup beaucoup de plaisir. Eh bien voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour les gentils messages que vous me mettez en commentaire et en privé sur ma boîte mail. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment de très très belles personnes avec beaucoup d'amour et un amour inconditionnel et beaucoup de bienveillance. Voilà, je vous remercie pour tout ça et puis ma petite communauté grandit et ça me fait vraiment plaisir si maintenant ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, eh bien j'en suis pleinement, pleinement contente. Voilà, je vous remercie et puis on se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.